dans le chemin est spacieux. Hein? On ne dirait pas que avoir, il demande de la vision spacieuse. Hein? Le chemin est spacieux. Il faut faire attention avec les visions spacieuses. Parce qu'il faut faire attention. Il faut être devant la présence du Seigneur. Il faut aller recueilleux, avoir la vision comme Dieu le veut. Ne pas sortir de la doctrine. Hein? Parce qu'on a entendu qu'il y a des serviteurs aussi qui ont sorti de la mission, hein, ils font prêcher les femmes, et cela ne vient pas de l'honorer du Seigneur. Hein. Moi, jamais de ma vie, hein, Seigneur, je ferai prêcher une femme, parce que moi, je ne crois pas au ministère des femmes. Il n'y a pas des pasteurs, ni prophètes, ni apôtres. Cela, ce n'est pas biblique. Hein. Je le dis de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit, que celui qui fait prêcher une femme comme pasteur, il n'a même pas l'esprit de Dieu. Alors, enseignez-nous que Dieu, ils font comme ils dirigent comme ils veulent, mais la Bible, c'est la Bible. Amen. Amen. La parole de Dieu, il n'est pas écrit. Une femme peut hein, donner des prophéties, comme on le sait, ça, donner des prophéties, avoir même une vision, je ne sais pas, Dieu. Et c'est marqué dans la parole du Seigneur, hein, prier, chasser les démons aussi, c'est marqué. Alléluia, amen. Mais avoir un ministère, un des cinq ministères, non. Cela n'est pas écrit dans la Bible. Sinon, ils sont plus grands que Jésus, ça connaissait. Jésus l'aurait pris des 12, voilà, garder un amour tamil, hein, comme apôtre, mais il n'y en a pas. Ni dans l'ancien, ni dans le nouveau. Qui haga lo que quiera, mais ce n'est pas marqué dans la Bible. Nous restons dans le cadre biblique. Amen. Qui est la parole du Seigneur. Amen. Que le nom de Dieu soit béni.